Eh bien, bonjour à tous, c'est Kemisuka, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto, attendez, à tout de suite. C'est un tuto, voilà, j'ai ouvert les volets. J'ai remarqué que mes vidéos, la moitié de mes vidéos étaient effacées, donc je suis dégoûté un peu. Je sais pas c'est qui les a effacées. En tout cas c'est pas moi. Attendez, attention. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comment installer des musiques dans une clé USB ou des films. En tout cas, moi j'ai une clé USB de 16 Go. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est toute neuve. On va la brancher là. Attendez une seconde, je vais la brancher. Voilà. Après, ça va me mettre ça. Voilà, ça on y enlève pour l'instant. Bon, en fait, il faut aller sur Google d'abord. Bon, on se retrouve sur Google. A tout de suite. Une fois que vous êtes sur Google, vous allez marquer YouTube. Pas YouTube MP3, pour l'instant vous avez juste marqué YouTube, vous allez entrer. Vous allez aller au premier lien de la description. Tout le monde connaît YouTube en même temps. Dès que vous serez sur YouTube, vous allez marquer la musique que vous voulez. Par exemple, moi je vais marquer... allez, on va dire, moi je vais marquer David Joseph. David Joseph can the Limb the Love. C'est une musique d'avant, mais vous pouvez marquer la musique que vous voulez. Après, ça va vous mettre là. Vous allez cliquer sur la musique que vous voulez. Après, une fois, vous aurez un truc là-haut. Donc, vous allez faire un clic comme ça. Attendez. Vous allez faire ça. Hop là. Et après, vous allez faire un clic droit pendant longtemps. Comme ça. Et après, ça va vous dire copier. Donc, vous allez appuyer bien sur copier. Voilà, et une fois que vous aurez mis ça, vous allez aller dans le plus, juste là-haut, là, vous aurez un plus sur votre ordinateur. Vous allez cliquer dessus, c'est pour un nouvel onglet. Ensuite, vous allez marquer YouTube MP3. Attendez. YouTube MP3. YouTube MP3 ou MP4, mais attention, si vous mettez des musiques de YouTube MP4 que vous avez installé sur MP4 alors que vous mettez dans une radio MP3, ça va pas marcher. Après vous avez cliqué, mais ces musiques dans YouTube MP3, on peut pas en faire plus que 20 minutes. Bon, vous allez cliquer sur le premier convertisseur YouTube MP3. Vous allez effacer ça là, le truc qui est bon. Et après vous allez appuyer longtemps sur clic droit. Et après ça va vous mettre collé juste là. Vous allez appuyer sur coller et là vous allez avoir le lien de la musique que vous avez mis. Vous allez mettre, cliquer sur convertir la vidéo dans votre clé USB. Et là vous allez mettre télécharger. Attendez deux secondes, on va mettre télécharger, voilà. Elle est en train de s'installer là comme vous pouvez voir en bas. Et là, David Joseph, You Can't Judge Me, machin, la TMRMI, le téléchargement, vous allez appuyer sur le petit trait, ou si vous voulez sur la petite croix, mais j'ai appuyé sur le petit trait, ça ne s'acquitte pas. Ensuite, vous allez voir un petit truc là en bas, ça là, vous allez cliquer dessus, là, ça, vous allez cliquer dessus, à moins que vous pouvez enlever votre clé USB, la remettre, et après ça fera ça. Si vous n'avez pas compris ce que je veux dire, enlevez votre clé USB et remettez-la. Après, vous allez aller dans téléchargement. Et là, ça va marquer David Joseph You Can, le titre de votre musique, quoi. Par exemple, David Joseph, si vous voulez installer David Joseph. Vous allez appuyer longtemps dessus et vous allez y passer jusqu'à votre clé USB. Là où c'est marqué Store Not Go ou un autre truc, vous allez déplacer sur votre clé USB. Et voilà, là, vous pouvez voir que la musique est bien sur votre clé. C'est ce qu'on va voir maintenant. A tout de suite. Donc voilà, je vais bien vous prouver que c'est vrai. Là, j'allume. Comme vous avez une radio, moi j'ai une radio MP3. Attendez, je vais la brancher. Comme vous pouvez le voir, là, je l'allume. Voilà. Après, je vais cliquer sur USB Memory. USB Memory. On va mettre comme ça, voilà. USB Memory, vous allez attendre. Attendez. On allume en fait, voilà. On va le voir, on allume. Après, on attend un peu, on va appuyer sur USB Memory. Attendez.
Bon, en tout cas, je crois que ma radio a un problème, mais sur les autres radios, je crois que ça doit marcher. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, ma radio a un petit problème, j'ai oublié de le dire. Si c'est le cas, abonne-toi à ma chaîne Kemisukal, abonne-toi à ma chaîne Koikman. C'était Kemisukal, j'avais oublié de vous dire que le minimum, c'est 4 GB. Pour être une petite musique. Le un peu moyen minimum, c'est 8 GB. Et le grand maximum, c'est 16 GB comme j'ai. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Abonne-toi à ma chaîne Kemisukal, abonne-toi à ma chaîne Koikman. C'était Kemisukal, à plus pour un nouveau tuto. Ciao, ciao!